Bonjour à tous et bienvenue sur Piment TV. Bienvenue aussi dans cette émission Cause pour nous, l'émission, la plus vieille émission, comme on dit à chaque fois, de la chaîne Piment TV. Aujourd'hui, on reçoit quelqu'un, une personne, un chanteur, un artiste qui nous vient de l'île Maurice. Il est avec nous aussi, il s'appelle le Double K. Comment il est, Double K? Bonsoir, ça va? Ça va bien. M'gay cause créole réunionnais avec vous, qui répond à moi créole mauricien. Vous voulez? Je réponds à créole à l'os. Tout ça va. Tout le monde écoute à nous, il connaît, il comprend le créole de la Réunion, il comprend le créole de Maurice et tout. Bon. C'est ça qui fait l'avantage, si vous voulez, la proximité et puis le lien cousin-cousine entre la Réunion et l'île Maurice. C'est-à-dire, nous cause comme nous voulons. Une cause comme nous, oui. Voilà. Aujourd'hui, tout est permis. Voilà. Comme on dirait chez vous, notre délanga, notre décréole maribon. Voilà, ok alors. Passer de reconnaître nous tout, hein. Voilà, tout voilà. Et ça allait rayonner, ça allait Mauricien, ça. Exactement. Double K. Et c'est donc prénom, il n'a deux K, ou bien sinon c'est un nom d'emprunt comme ça. C'est mon nom de scène, mais voilà, Double K veut dire créatrice et créativité. C'est, du coup, moi, m'appelle créatrice, ouais. Mais le deuxième K, c'est créativité. Double K, créatrice, créativité. D'accord, alors, ok, ben, il fallait chercher loin ça, alors. Ouais, et puis, il faut absolument donner des explications parce que les gens qui écoutent toute musique, ben, peut-être pas tout le monde connaît. Double K, hein, Double K, hein. Et du Sega, vraiment du Sega de l'île Maurice ou bien autre chose aussi? Oui, du Sega, des fois de reggae. Des reggae aussi? Mais je chante tout. J'écoute tout. Et comme on dirait chez nous aussi, combien de temps sur la route là? Moi, là, commencé l'âge de 9 ans dans la musique. Là. L'âge de 9 ans? Oui. Pour commencer à l'âge de 9 ans, il faut être issu d'une famille de voilà, musiciens, d'artistes. Voilà, c'était ça l'affaire. Mon grand-père était déjà un artiste, déjà. Ouais. Mon papa est même musicien. Il grandit de la famille musicien. Oui. Hein? Et à Maurice, là-bas, en quel coin vous voulez? Maman grandit à Cité-Rosebois, Cité-Caillard. Ouais, Cité-Caillard. D'accord. On grandit à Cité-Rosebois, Cité-Caillard, mais après, il a déplacé un peu. Mais Rosebois reste toujours mon petit endroit qui m'a grandi, quoi. D'accord. Et de la musique comme ça, vous faites ça depuis longtemps là-bas, mais depuis combien de temps vraiment, ou de musique sur les scènes, là au-devant de la scène, ou de musique les poster, ou de musique les créer, ou de musique les écouter? Mais en 2003, je fais un album avec mon groupe, je fais un peu raga, tout ça, ouais. Avec un groupe, un bon camarade. Tu as trois camarades, tu es ensemble, tu fais la musique. Mais du coup, comment on commence à faire Sega en 2005, là qui m'a corrigé, il prend vraiment l'appui pour moi, la poêle de l'avant et tout ce dans notre pays. Mon premier tournée, tout ça. Ma première tournée, c'était en Angleterre. En Angleterre. Oui, en 2005. Wow. Avec du Sega même? Sega, oui. Hein? Et du coup, tout coup, nous, alors. Donc, le Sega de l'île Maurice s'exporte aussi bien en pays français qu'en pays anglo-saxon? Non, mais du moment où il y a créole, c'est bon, C'est vrai qu'à Londres et en Angleterre, il y a beaucoup de créoles mauriciens voilà, là-bas. Créole mauricien, hein. Mansagossien, voilà. Tout voilà. Ça. C'est ça qui nous sentait là tout à l'heure, là. Nous îles, retourne nos îles. C'est mon plaigne un petit peu à cause, qui peut subir un truc qui passe juste avec la bande du monde qui prend d'autres pays, prend d'autres îles, mais d'autres de haut. Tu vois, voilà. Exactement. C'est pour ça qu'il me sent ça, on rend mal, on rend tout à l'heure qui voilà moi je me faisais comprendre qu'il m'avait dit mon premier état ça m'avait dit d'autres causes quoi. D'accord alors et en hommage à toutes les créoles du monde entier puisque on a fêté dernièrement la semaine créole là dans la semaine créole on expliquait que les créoles dans le monde entier il y a à peu près 20 millions de créoles qui sont éparpillés dans le monde entier et des créoles vraiment des créoles avec la racine française c'est 10 millions. La moitié, la racine anglaise, c'est 5 millions. Et ensuite, les autres, c'est avec des racines espagnoles. Que ça. Alors, c'est du créole, celui qui est né sur une île, bien entendu, mais qui parle sa langue, c'est-à-dire sa langue mélangée avec une racine qui est française mais ou qui est anglaise. Alors, on disait que dans les 10 millions, là, il y a une grande partie qui est sur le plateau caribéen et de Caraïbes avec Martinique, Guadeloupe et tout ça. Et puis après, l'autre partie dans l'océan Indien avec Maurice, La Réunion, Rodrigue et Chéchel. Hein? Alors,
La racine française, c'est bien entendu à La Réunion, mais est-ce que à Maurice, quand vous parlez anglais, créole, vous mélangez aussi de la racine française et la racine de l'anglais à l'intérieur? Mais nous, à Maurice, on a plus de français, quoi. Voilà. On a plus de français dedans que l'anglais, quoi. Mmh. Ouais. Je déborde un petit peu parce qu'on est dans la semaine créole, là, on est donc c'est pour ça. Fier, moi, de créole. Voilà, exactement, ouais, hein, et fier de chanter créole, de chanter. Non, j'ai créole, de vive créole. Vive créole, là, toute une philosophie, paraît-il, aussi. Manger créole, vive créole. Hein. Ouais. Et une bonne chanson, là, une bonne morceau, là, tout ce Sega que vous faites, là. Hein. Le premier Sega, le premier morceau qui a fait que Double K est devenu Double K, qui a fait connaître Double K, qui peut-être t'a permis de voyager aussi, c'est quel morceau? Nos îles. Nos îles? Oui. Ah ouais. Donc, ça, c'est mon masterpiece. Ça, c'est le premier morceau, ouais, ça, alors. Hein. Morceau, là, tu sortais en 2008. Il gagne 10 de l'année, il gagne Award, de Bonito Clip, tout ça. Ah, d'accord, super. Alors, ben, ça a été un honneur pour moi de prendre ma guitare basse, là, à côté de moi, avec toi. Ta guitare de l'autre côté, oui. La mienne, parce que la tienne est de l'autre côté. Tu as croisé une Taylor sur la route, tu as décidé de l'emprunter. Je te l'emprunte, il n'y a pas de souci. Puis, on fait ce morceau-là, Nos îles. Allons-y. Hein, Nos îles. Je suis chaud, moi. Si Richard est prêt, ben nous, on est prêts, nous. C'est bon. Moi aussi. D'accord, le morceau commence en la mineure. Allez, ok. Allez, c'est parti. Retourne-nous, nos îles, retourne-nous, au pays. Béros, Bano, Salomon, je vous passe à retourne-nous, nos îles, retourne-nous. Rosbane Salomon, Dieu Gracia, Ramama Moja, nous babies à tout, et grand-papa Moja, ou Messie Élysée, un jour mon bonnet sali pour arriver, de pour tous aux îles, c'est pour libérer, tout ce qui va pas bon, la vie va compter, mon bonnet sali pour la vérité, mais même de la bêtise, l'île va pas, c'est pour lier, pour tout banaper, pilon, pile des racines, finambor, tout qui tient là-bas, finambor, donné, c'est pour ça que papa va raconter. Je l'ai fait mal parce qu'il est déraciné. Nous il avait tout nous, nous pays. Mais Rose Banne Salomon, c'est gros grâce à tout nous. Nous il avait tout nous, nous pays. Mais Rose Banne Salomon, c'est gros grâce à. Bien souvent c'est gâteau bouti déroulé. C'est grand-papa Moja qui t'organise. Toute sa lit est une tradition, tu fais ça en système de migration. De parole, tu amènes son ravane, maman, tu amènes ce triant. Donc attends, tu peux pas se calouer, en fait, ça m'a dit, tu déroules là-bas. Fin des racines, fin en banque. Tout qui tient là-bas, fin en abandonné. C'est pour ça qu'on va pas qu'à raconter. Te les gueules, ma voisine est tout nous. Nous, il est tout nous, tout pays. Rosbane Salomon, c'est gros gracia, mais tout nous, nous il est tout nous, nous pays. Mais Rosbane Salomon, c'est gros gracia, quand il plaît, moi j'ai l'étudié en ciné. J'ai la reine de qui partit bien accepté, pour vivre l'amour et sans condition, pour faire zotte à plat, zotte à génération. En assise, nous m'a dit, moi j'ai tout ce qui peut dérouler, ça y est, domination, ouais. Ça y est, domination, ouais, ouais, ouais. Ça fait pas mon devant, lui, pas mérite, tout ce qui déroule. Ça y est, domination, ouais. Ça y est, domination, ouais, ouais, ouais. Retourne-nous, nous il retourne-nous, nous pays. Mais Rosbane Salomon, Diego Garcia, retourne-nous, nous il retourne-nous, nous pays. Diego Rosbane Salomon, merci. Et bien, voilà, après ce morceau qu'on a fait ensemble, Nos îles. Hein, oui. Nos îles, hein. Alors, quand on parle de Nos îles, c'est l'île qu'on connaît le moins ici, en tout cas nous ici à La Réunion. Hein. C'est une île qui appartient à la République de Maurice. Oui, mais hein. C'était.
C'est Sagos. Ça se trouve un petit peu au nord de Madagascar, là-bas, un petit peu en dessous des Seychelles. Et une île pas très connue pour nous, mais très connue pour les Mauriciens, parce que c'est une île qui est chargée d'histoire pour les Mauriciens. Là, c'est chargé des bombes atomiques et des avions américains. Et c'est pour ça que beaucoup d'artistes ont fait référence à cette île. Elle est là, donc toi, et puis aussi Cassia aussi, qui a choisi un morceau là-dessus. Hein? Voilà, exactement. Et toi, bon, avec tous ces morceaux que tu as fait là, tu as clippé, comme ça on dit, tu as clippé des morceaux, hein, c'est-à-dire que tu as fait des clips avec beaucoup de tes chansons, et on aura l'occasion d'en voir tout à l'heure, pardonne-moi, madame là, mais il y en a encore beaucoup, et tu as sorti un best-of DVD, en DVD, hein. DVD 100% Mauricien, quoi. 100% Mauricien, c'est-à-dire qu'il y a le son et puis il y a l'image en même temps, hein, avec 9 morceaux, plus un bonus. Un bonus vidéo, hein, d'accord. Hein. Là-dedans, tu as préféré, et dans tout ça, tous ces morceaux qui sont sur le best-of, tu as forcément un album, forcément dans un album. Les morceaux qui sont là-dedans, ils sont forcément dans un album audio. Oui, c'est ça. Et des albums audio, tu en as combien? Des albums audio, j'en ai. Ben c'est vrai qu'on aime beaucoup ça, mais... En solo, j'en ai trois, et j'en ai beaucoup aussi, compilation que j'ai posé avec plusieurs artistes, tu vois. D'accord, hein, ok. Hein. Et le DVD, le best-of DVD, il est actuellement seulement à l'île Maurice, on peut le retrouver ici, c'est la Réunion. On peut le retrouver à la Réunion, là, mais moi je trouve m'intéresse, on peut plus passer ça, le disque et tout ça. Voilà, d'accord. 100% clip mauricien, 100% musique mauricien. Oui. Hein? D'accord. Alors après nos îles, deuxième morceau. Deuxième morceau, c'était Cienzou. Cienzou, hein? Marielle Jana, la connaît. Ouais. Cienzou, petit café d'espoir. Ah ouais, un morceau qui monte mon père là. D'accord, c'est voilà. Ça, après c'est un jour, nous le faisons du mal, tout. Vraiment, ça fait mal, m'arrête toujours pas, on fait madame là, ça enchaîne, quoi. Ouais. Madame là, le clip, on verra tout de suite dans un petit instant, mais avant, juste pour parler un petit peu plus technique, c'est toi qui écris tes morceaux. Oui, du coup, c'est moi qui... La plupart de tes morceaux. Tous tes morceaux, c'est toi qui écris. Hein. Puis après, on a vu tout à l'heure dans le morceau qu'on a fait ensemble, Mozilla, que tu grattes merveilleusement bien la guitare. Donc, il faut croire que toutes tes musiques aussi, c'est toi qui les composes directement. Oui, directement. Voilà, après, quand tu arrives au studio, il n'y a plus grand-chose à faire. Alors. Ah ouais, t'as pas grand-chose. Les chaises, je me chasse comme ça. Et ça comme ça. Exactement. Exactement. Et 3 albums en solo. Tu m'as dit tout à l'heure, hein, avec en moyenne, avec combien, 7-8 clips par album, à peu près, ou 9 fois. Oui, 3 albums, 12, il y en a qu'on a 9, il y en a qu'on a 10, il y en a qu'on a 12. Ah ouais. C'est en fonction du moment, c'est-à-dire qu'il y a des moments où de mettre 8 morceaux sur un album, et des fois l'inspiration vient tellement qu'il en faut en mettre 12, hein. Sachant les gens qui nous regardent qu'est-ce qu'on a, bon, on peut en mettre 20, hein, jusqu'à 22, m'a dit Richard Gagnon. Exactement. Mais il y a des gens qui mettent 22, hein. Il y a du monde qui peut aller, mais il y a du monde qui va aussi aller aussi. Du monde qui a des temps habitués avec plus de petites chansons. Et du coup, c'est là. Alors, des fois tu me fais penser, enfin toi non, mais plutôt les artistes de Maurice, il faut penser un petit peu aux artistes de Madagascar, hein, qui sont souvent chez nous, puisque Piment TV Canal Austral est bien implanté à Madagascar, donc on a beaucoup de musique malgache chez nous. Et les malgaches, ils sont exactement comme les Mauriciens, c'est-à-dire que vous aimez les clips. Déjà, vous en tournez beaucoup de clips. Hein. Oui. J'ai vu tout à l'heure le nombre de clips que tu as donné à Richard, mais nous, on ne savait même pas que tu en avais autant. Hein. L'image est vraiment importante pour vous. Mais oui, l'image est importante. Après, des fois, si nous récits racontent l'histoire en image,
Parce qu'il y a du monde qui ne veut pas prendre le temps pour écouter la parole de son son. Ouais, ouais. Du coup, je t'écoute dans ce là, c'est bon, on va m'amuser, mais il y a une histoire. Quand on fait un clip, nous gagner un sens pour faire du monde comme l'histoire de son son aussi. Et Madame Lard, avec le clip, avec l'image à l'arrière, on raconte quelle histoire? Raconte l'histoire d'un homme là qui lit. Beaucoup de camarades, les jours où ils mettent Nissa, ils mettent Siro. Quoi, Sergio, là? Tu connais Sergio, hein? Oui, Sergio. Quelqu'un connaît bien Sergio, là, c'est David de l'autre côté. Alors, ce bonhomme-là qui met Siro, il met sa famille. Du coup, la femme prend ses enfants et part. Allez, madame là retourner, d'accord, alors, comme quoi que des mots c'est bien, mais des images c'est mieux. Des images c'est mieux. Voilà, parce qu'on fait, c'est qu'on met tout de suite le clip, madame là. Ok, je pense que Richard a déjà calé le clip, on y va tout de suite, après on revient, reste la même, on revient encore, allez bon. Allez, tout de suite, alors. Voilà, on est toujours sur le plateau de Cause pour nous avec le double K. Hein. Alors, à Maurice, on t'appelle comment? Double K ou double K?
Double K. D'accord. Mais tout du monde ici connaît moi Curtis. Ah, oui. D'accord. Et je suppose qu'à Maurice, tu fais pas mal de prestations. Tu fais des prestations. C'est classique là-bas de faire des prestations. Je fais de van ball, de van pub aussi. Oui. Avant de venir, moi, je suis dans un restaurant, un pub à Enzo, Rivière Noire. Oui. C'était bien passé, tu fais live là-bas. Enzo, d'accord. Hein, pour toutes les gens qui nous regardent là-bas sur Enzo, à Enzo là-bas, à Rivière Noire. À Rivière Noire, la Golette là-haut. Ouais, d'accord. C'était bien. Et des prestations privées, il y en a là-bas, à l'île Maurice, c'est-à-dire, est-ce que les gens font des mariages et appellent des artistes? Oui, il y en a, mais c'est pas trop ça. Pas trop. Hein? Alors qu'ici, c'est vraiment, vraiment répandu, ici, mariage, communion, baptême, des trucs comme ça, on en voit beaucoup. Et des scènes, il y en a aussi un peu à Maurice. Des scènes, ouais. Là, on a un festival créole qui arrive là. Ouais, voilà. Qui approche là, festival créole, les grosses scènes. Ouais. D'accord, alors ok. Alors, hein. Et comment on fait pour te joindre alors? Mais moi, pour, du coup, je suis capable de suivre mon nouveau Facebook, Double K, m'a été déjà live. D'accord, alors. S'il n'arrive pas, rentre camarade avec moi, mais je suis capable de quitter un petit message pour tout ça. Sinon, ici à La Réunion, on peut appeler David. Ben oui, ici à La Réunion, avec le grand manager de David. Voilà. David est là. Hein. Il y a le numéro de David qui affiche dessous. David, c'est bon, on fait afficher ton numéro. Eh ben voilà, Richard a affiché le numéro juste en dessous. Là, hein. Et c'est vrai que tu chantes depuis pas mal de temps et dans les émissions comme ça, quand tu es à la télé, il y a beaucoup de gens qui te regardent, surtout à Maurice. On a pas mal de gens qui nous regardent plus en TV. Si vraiment il y a un petit message à passer aux personnes qui te regardent là-bas et qui te soutiennent un petit peu de temps en temps, hein, quel message tu pourrais leur dire dans cette caméra, moi, je peux dire un gros bonjour à tous mes fans de Maurice. Mais déjà un message qui m'a passé, ils m'ont dit à ce CD là original, DVD là, à faire copie, même CD ici, 20 CD audio, à ce original. Et ça, du coup, ils m'ont pensé qu'ils artistes pour gagner un grand courage, un grand soutien, pour travailler plus bien, pour travailler plus mieux et travailler plus aller de l'avant, quoi. Puis ça, de l'avant. D'accord, alors, ok. Et le CD, le DVD, il est là. Il s'appelle le Best of de Double K, 100% clip mauricien. Voilà, qu'on peut retrouver là-bas. Et ça coûte combien ça, Maurice? À Maurice, c'est à 200 roupies. 100 roupies? 200 roupies. 200 roupies à Maurice. 250 roupies, 200, oui. Voilà, et on peut retrouver ça dans tous les magasins à Maurice. Des disquaires à Maurice. Hein, d'accord. Alors. Et tes albums audio, ils sont encore dans les bacs, comme on dit? Ben oui, on a ça, c'est dans les disquaires aussi. Dans les disquaires aussi, on peut retrouver. Le dernier album qui m'ont fait, là, c'est Tite, Fils Prodigue. Oui. Fils Prodigue, c'est ce qu'ils ont. D'accord. Voilà. Okay. Il est ici dans les bacs là-bas de tout le magasin. Quoi. D'accord, alors. Ben, Double K, merci bien d'être venu aujourd'hui avec nous sur le plateau de Piment TV. On était très contents de t'avoir et puis après d'écouter tes musiques, parce que là, je pense que tu as ramené pas mal de clips pour nous. Mais par contre, nous pouvons tourner un clip aussi, encore ici. Là. Oui, tu es à la réunion là, donc tu vas sortir un clip. Alors, c'est le titre, c'est quel? C'est Donne-moi un sens. Donne-moi un sens. Donne-moi un sens pour retourner dans toute la vie. Parce qu'ici, sans toi, la vie n'a pas joli. Donne-moi un sens pour retourner dans toute la vie. Parce qu'ici, sans toi, la vie là, n'a pas joli. Voilà, d'accord. Et ça, c'est un son de Sega aussi à la rue. Oui, Sega rythmé, comme vous êtes content. D'accord, alors, un clip 100% mauricien aussi. Donc, tournez à La Réunion. Voilà. Pourquoi pas? Oui. Bien sûr. Hein. Écoute, on se retrouve la prochaine fois alors. Et merci, hein, merci. Maintenant que tu connais le chemin. Et quand tu viens ici, tu passes un instant. Ben oui. Ok. On vient guetter un peu Piment TV. Bien sûr. Nous retrouvons. Allez, me retrouver. Allez, merci. Nous retrouvons. Bye bye. La prochaine fois dans une autre émission. Clip Pouzot, non? Parole d'artiste, non. Cuisine, non. Cause pour nous. Gaïa, ça, hein? Allez, à bientôt.
l'homme.